Oui, oui, on ramène monsieur le maire au poste, vous voulez vous en occuper? Ah bah oui, tiens, oui. Bah il est là. Ah bah très bien, tiens. Ah parce qu'il est zippé en plus. Vous auriez pu me détacher avant, non? Ah bah quand je vous mets dans un véhicule, on préfère que vous soyez. Est-ce qu'il est zippé en plus, lui? Eh oui, zippé, putain. Et putain, quoi? Vous avez calmé votre langage, là, hein? Mais attends, mais c'est toi qui me gueule dessus, là. Non, non, comment ça, je me gueule dessus? Mais c'est une blague. Double kidnappé, ça va être sale connard, va. Double kidnappé? Double kidnappé? Vous rigolez? T'as de la chance que t'es en laisse. T'as de la chance qu'elle est là, hein? Apparemment, il s'est fait rechoper par d'autres gars. Mais c'est bien fait pour sa gueule. Mais il est capable de se barrer. Il a réglé son compte, hein, celui-là. Il faudra qu'on nous explique aussi comment ils ont été gérés, parce qu'apparemment, il a pas été ramené vers les médecins. Mais non, il s'est barré, lui. Il s'est barré direct en coin? Oui, oui. D'accord. Okay. Parce qu'il une... Et il y a une voiture qui l'attendait, donc il est, à mon avis, très bien complice. Et là, je vous fais l'histoire. Oui. C'est que les autres sont venus le récupérer, et puis ils ont dit, tiens. Parce que c'est un appel anonyme en plus. Oui. Et ben ils ont récupéré tout ce qu'il avait sur lui, et puis ils l'ont zippé, et puis ils ont dit, bah tiens, tu vas faire la victime, et puis voilà. Ah bah oui, bah oui. Et voilà. Et okay. Il nous dit aussi qu'il était alcoolisé et drogué, bon ça. Oui, bah bien sûr, vrai, bien sûr. Vous avez attrapé les. Les. Oui, oui. Oh, monsieur Ullmann. Oh non, pas lui. C'est vous qui faites l'interrogatoire? On va repartir sur de bonnes bases, monsieur Ullmann. Ok, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Je vais garder mon calme, et puis vous allez garder le vôtre, d'accord? Ok. Très bien. Est-ce que j'ai besoin d'un avocat? Ah bah si vous voulez, oui. Mais là parce que... Ah bah, en fait ça dépend en fait, monsieur Ullmann. Oui. Qu'est-ce qu'on fait sur le 19 du coup? On ouvre une enquête ou... Bah il y a déjà une enquête d'ouvert donc... Ah bah si vous voulez... Mais si vous voulez appeler un avocat, vous pouvez, oui. Et je suis quoi? Je suis victime ou je suis l'agresseur? Ah bah justement, c'est ce qu'on va essayer de... On va essayer de rétablir la vérité, monsieur Ullmann. Appelez un avocat, s'il vous plaît, parce que... Je vais vous chercher au téléphone, vous allez le contacter vous-même. Oui. Vous voulez pas le contacter vous-même? Je m'en fous, moi, un avocat. Eh non, vous le contactez. Pourquoi il me fixe et il dit rien dans ta droite, là? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ma photo? Ullmann, c'est à vous de le contacter, l'avocat, c'est pas nous. Ah, moi, putain, ok. Ok. Vous voulez laisser des avocats? Oui, pourquoi pas. Sinon, ils sont sur Wizard News dans... Non, mais il a pas accès, là. Bah si, avec son téléphone, il a en main, mais c'est le dernier accusé aux amis. Et regardez bien qu'il envoie pas des SMS là, 01 là. Attends, j'envoie, ok. Regardez, je vous donne une astuce, comme ça vous le saurez pour les prochaines. Là, quand vous arrivez là, vous sautez là. Ah oui. Hop là, voilà. Vous voyez? J'ai cherché l'avocat, apparemment il est devant. Oui, bah il est là. Et putain, y'a personne qui m'entend ou quoi là? Bah il est où là? Il est où? Ah bah non, bah personne vous voit. Faut sauter. Bah faut expliquer... Sauter. Tombez, monsieur l'avocat. Sauter. Relevez-vous. Attendez, il va se relever. Relevez-vous. Mais c'est bon là. Non. C'est pas bon. Sauter. Montez sur le banc là-bas. Ah, sur le banc noir là-bas. Bah 01, c'est vous qui avez un problème. Sautez, vous, 01. Mais vous voyez, 14. Et sautez, 01, sautez, merde. Ok, je saute. Moi, je vois tout le monde, hein. Vous allez vous mettre contre le casier, monsieur Ullmann, et puis vous êtes placé en... détention. Quoi? Mais non, avocat. L'avocat est là. L'avocat est là. Je vais passer en garde à vue dans le cadre d'une enquête, monsieur Ullmann. Mais putain. C'est juste pour une enquête. J'avais bien raison. Hey, un truc. Attends, on va parler d'un avocat après. Oui, après vous allez parler. Attendez, je vais vous fouiller, monsieur Ullmann, arrêtez de bouger. Encore? Mais putain, vous fouillez tout le temps. Hey, monsieur Ullmann, calmez-vous. Non, je me calme pas parce que l'autre connard qui est derrière moi là, il est déjà en train de me juger. Il a dit clairement que non. Vous êtes dans l'ensemble de l'établissement du LSPD, donc vous allez vous calmer tout de suite. Sinon, vous allez aggraver votre situation. Eh ben, gravez rien du tout, vous avez déjà jugé mon cas, donc qu'est-ce que j'ai à faire? Mais non! Et votre avocat est là! Ils ont dit qu'il était en dergue. Non, mais c'est bon, il y a un moment, faut arrêter quoi! Il a dit quoi? Je dis pas que lui, Bah oui, c'est tout, j'ai entendu! Fouillez, enfin le truc! Bah oui, bah dépêchez-vous! Vous avez quoi? On jugera de façon. Eh, fouille-moi! Vous avez quoi, monsieur Ullmann? Ferme ta gueule! Fouille-moi, t'as un problème? Mais là, y'a aucun problème, monsieur! Et qui c'est à qui manque un MK2 là? Que je puisse vous défendre! Oui, avant quand même. Qui c'est qui peut les poser sur MK2? Que cette personne ne soit pas dedans, ou un point. Non, je veux pas qu'il soit là. Changez-vous, monsieur Ullmann. Non, je ne veux pas. Il lui reste un MK2 dessus, il faut le. Je vais poser mon MK2. Oui, j'ai mon PP1. Ah bah. Le problème, c'est que cette information, c'est que là, je peux pas vous donner cette information parce que c'est. Il veut pas que je donne l'information de qui c'était. Et je veux pas. Non, mais on sait très bien qui c'était, monsieur Ullmann. Ah, mais comment vous savez que c'est les brokers? C'était pas les brokers qui ont braqué la banque.
Non, là, il est en train de vous dire que les gens qui l'ont attrapé après, le... con, après la banque, c'est les brokers. Et merde, putain, ah. Merde, quoi. Il a plaisé, putain. Non, mais je devais pas le dire. Non, c'était pas les brokers. Non, j'ai rien dit. C'est mieux pour toi hein, que tu le dises. Mais oui, mais c'est oui, si eux, ils savent que j'ai dit, ils vont m'attraper et ils vont me tuer. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, votre sécurité est notre priorité. Quelque part. Parce que nous, ce qui risque de se passer, là, c'est qu'on va convoquer tous les brokers et puis on va essayer de récupérer les mallettes. Alors non, 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 je préfère dire... monsieur le man. Ah oui, bah non, alors je veux pas mourir. Dites que c'est moi qui ai braqué la supérette, la flicain, voilà. Comme ça, je crains pas. Maître, on peut vous voir deux secondes? Oui, allons-y. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Et bon, cette histoire, elle nous a convaincus, hein, pas vous mentir. Oui. C'était juste pour le faire chier, là. D'accord. Puis on reste là-dessus? Mais quoi, on reste là-dessus? Oui, bah, c'est moi qui ai tout manigancé. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maine? Bah, je sais pas. Je vais essayer de trouver un autre boulot et je vais prendre en prison et trouver un autre boulot pour me faire de l'argent, quoi. Venez avec moi, surtout que je vais avoir des soucis en plus. Venez avec moi, c'est bon. Avec l'autre qui va, qui je vais devoir remplacer. Et oui, il va rembourser quelqu'un. Et oui, il va faire rembourser, là. Et puis vous n'avez pas fini de rembourser, là. Il y a combien de mallettes qu'il vous a donné, là? Je crois que c'est une soixantaine, je crois. Ah non, attendez, non, excusez-moi, votre vestiaire, il est là. Vous êtes libre. Et cassez-vous, le man, putain! Bonjour, monsieur le merci, bonne soirée. Ouais, et l'enquête, elle est finie? Oui. Ouais, c'est fini, l'enquête est finie, il y a plus de. Oui, bon. Ok, merci. Oui, bah cassez-vous, on vous a dit, bordel! Pour accompagner, mais quand même.